Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture bonus pour les personnes du signe zodiaque Vierge, d'accord, pour le mois de juin 2019. Donc on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu de détails pour vous sur votre lecture. N'oubliez pas que la suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Et si vous voulez avoir une consultation privée, personnelle, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vais vous appeler. Il y a les appels de 30 minutes, 40 minutes et 1 heure. Si vous préférez juste m'envoyer une question par écrit ou une réponse par écrit, c'est 10 € la question, ok? Donc, voyons voir ce qui se passe avec les gens du signe zodiaque Vierge pour le mois de juin 2019. Hi angels, please give me a reading for my Virgos for the month of June 2019. Can I please have a reading for my Virgos, a bonus reading for the month of June 2019. Please, thank you so much. Les vierges, certains d'entre vous, il se pourrait que dans le passé vous ayez rencontré une personne, d'accord, que vous aimiez beaucoup, d'accord. C'est une personne peut-être qui connaît vos amis. On a quelqu'un ici qui connaît vos amis, qui connaît votre entourage, qui connaît peut-être même votre famille. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes réellement attiré par cette personne. Vous avez ici envie de redonner chance à une relation. Vous avez ici envie d'être avec votre partenaire, de voir un peu comment la relation peut évoluer avec votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation avec une personne qui est à distance de vous. C'est quelqu'un ici qui voyage beaucoup. On a peut-être quelqu'un ici qui voyage pour le travail. Si la personne ne voyage pas pour le travail, peut-être que la personne ne vit pas avec sa famille, donc la personne passe son temps à voyager pour aller rendre visite à la famille, les amis, les trucs comme ça, ok? Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous avez rencontré cette personne lors d'un voyage ou bien pendant que la personne faisait un voyage de routine, quelque chose comme ça. Je ne sais pas c'est quel genre de voyage, je ne sais pas. Il y a quelqu'un ici peut-être qui sort avec un pilote here ou bien une hôtesse de l'air. Si ce n'est pas ça, c'est que votre partenaire doit voyager pour faire son travail. Donc, vous êtes ici dans une situation où vous êtes tombé ici amoureux d'un voyageur, une personne réellement que vous aimez beaucoup. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes peut-être même tombé amoureux de cette personne-là dans une autre ville, cité, région que vous, ok? Ou bien c'était pendant un voyage. Pour d'autres, vous avez ici affaire à une personne qui est d'une différente origine, nationalité, religion que vous, d'accord? Vous pouvez être ici amoureux de quelqu'un qui est peut-être, je ne sais pas, blanc, vous êtes noir, arabe, vous êtes, je voulais dire nigérienne, peut-être, africaine, nigérienne. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici peut-être qui est en Italie, à Rome, whatever this is, ok? On a quelqu'un ici peut-être qui était dans une relation avec son partenaire et puis à cause de la différence de nationalité ou bien à cause de la différence de culture qu'il y avait entre vous deux, on a une personne ici peut-être qui avait décidé de chercher à sortir avec une personne qui est peut-être de la même, you know, nationalité que lui, une personne qui est pareille que lui. Donc si, imaginez si vous étiez dans une relation où votre partenaire était blanc, vous étiez noir, peut-être parce que vous étiez noir, vous avez un partenaire qui avait décidé de partir, de sortir avec une personne qui était, qui était blanche, ok, parce qu'il ne voulait pas sortir avec une noire. Ça peut être aussi vice versa, une fille noire, c'est peut-être un garçon blanc qui est tombé amoureux d'elle, et puis bon, comme elle n'est pas peut-être habituée à ça, elle a décidé que non, elle va retourner avec, elle va chercher à retourner avec quelqu'un qui est noir, un truc comme ça, ok?
je lis les cartes, c'est pas une affaire de race here. On dit race ou quoi? Yeah, race here, je crois. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici, peut-être, qui était tombé enceinte d'une personne. Et puis, lorsque la personne lui a dit même que, écoute, j'attends ton enfant, puis on va bientôt avoir un enfant. On a une personne ici qui a dit au partenaire que non, je ne veux pas avoir un enfant avec toi, blablabla, blablabla. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si l'enfant a été avorté, etc. Ou bien si la fille a perdu l'enfant à cause du stress, quelque chose comme ça. Mais vous avez ce partenaire-là qui veut venir demander pardon. Vous avez ce partenaire-là qui veut venir arranger une situation ou venir voir s'il n'y a pas une possibilité vraiment de que vous lui pardonniez pour ce qui s'est passé dans le passé. Vous avez même un partenaire ici qui risque de vous dire, écoute, je veux avoir un enfant avec toi. Je suis tellement désolée si, pour ce qui s'est passé dans le passé. Permets-moi d'être le père de tes enfants. Je veux rester dans ta vie, les trucs comme ça, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il y a une différence d'âge entre vous et cette personne. Ou bien la personne a déjà des enfants et la personne est partie peut-être même avoir des enfants avec une autre personne que vous ne connaissez pas. Here. Et aujourd'hui, la personne veut revenir vers vous, la personne veut vous demander pardon et la personne veut même vous dire qu'il a eu un enfant avec une autre personne ici. Ce qui serait grave, c'est que la personne peut-être devait avoir un enfant avec vous ou bien vous devez avoir un enfant avec la personne. La personne a dit qu'il ne veut pas, peut-être parce qu'il ne voulait pas être père et puis la personne est partie avoir un enfant avec un autre. Et puis aujourd'hui, la personne veut maintenant revenir avec l'enfant là pour dire que non, est-ce que tu peux bien rester avec... Oh Seigneur, pardon. Garçon! Bon, les femmes aussi, hein, les femmes aussi, c'est comme ça qu'elles sont. Anyway, voyons voir si je peux rentrer dans beaucoup plus de détails sur cette lecture-ci. Hi, angels, please give me more information on this reading, please, for my Virgos, for the month of June 2019. Here, thank you. Hi, angels. Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui est vraiment dynamique, ok? Je ne sais pas c'est qui ici qui aime danser. Vous avez ici peut-être affaire à quelqu'un qui aime danser. On a quelqu'un aussi qui aime beaucoup le cirque. Donc, soit la personne a déjà travaillé dans un cirque, ou bien vous travaillez dans un cirque, ou bien vous avez envie d'aller voir une scène dans un cirque, un truc comme ça, un spectacle de magie, whatever. Je ne sais pas c'est qui va aller faire ça là-bas. Anyway, pour une autre partie d'entre vous, donc vous êtes ici dans une histoire, vous avez ici affaire à quelqu'un qui est vraiment dynamique et vous avez ici une personne qui veut venir vers vous pour vous dire, écoute, je ne veux pas qu'on sorte, je veux t'inviter, est-ce que ça te plairait de sortir avec moi, qu'on parte s'amuser, qu'on parte, je ne sais pas c'est qui ici qui a envie d'aller. Bon, je ne sais pas si vous êtes aux États-Unis ici, comment ça s'appelle, on a quelqu'un ici qui aura peut-être envie d'aller à Vegas, peut-être aussi qu'en Europe, on a des gens qui veulent aller à Vegas. Moi, je sens ici quelqu'un qui veut aller à Vegas. Here. On a quelqu'un qui est prêt à dire à l'autre, écoute, tu ne veux pas aller à Vegas? Les trucs comme ça, d'accord? Je ne sais pas c'est quel genre de ville, peut-être en Europe où là-bas, il y a les cycles, mais il y a toujours des parcs d'attractions, des trucs comme ça. Ça peut être aussi Paris, here. Si je me trompe pas. Anyway, donc vous avez ici une personne qui veut venir dans votre vie, quelqu'un veut venir vous rendre visite, quelqu'un veut venir passer beaucoup plus de temps avec vous. Si la personne ne passait jamais du temps avec vous, etc. Mais si la personne refusait auparavant même de venir vous rendre visite et tout, ou bien la personne est venue vous voir peut-être deux fois et puis vous avez vu la personne six fois, quoi. Ou bien vous avez pris l'avion tout le temps pour aller voir la personne. Vous avez ici quelqu'un qui veut revenir vers vous pour dire, écoute, je veux pas te perdre, je veux rester avec toi. Ou bien, hey, j'ai gardé un peu d'argent, ça te plairait si je te paye un ticket pour qu'on parte faire ceci, faire cela, etc. Pour une autre partie d'entre vous, lorsque cette personne va revenir vers vous, vous n'allez pas réellement vous ouvrir à cette personne. On a des gens ici qui ne vont pas vouloir s'ouvrir au partenaire, qui vont dire au partenaire, non, je ne veux pas m'ouvrir, je ne veux pas aller quelque part, laisse-moi tranquille, tu reviens encore dans ma vie, pourquoi? Tout ça, c'est pour m'embêter, tout ça, c'est pour me créer des soucis. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici un partenaire. Si la personne a un enfant avec une autre personne, vous avez ici un partenaire qui ne va pas vouloir vous dire
qu'il a eu un enfant ailleurs. Je ne sais pas c'est l'enfant de qui ici qui a peut-être un an, deux ans, mais on a l'enfant ici qui n'est pas réellement âgé here. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici un partenaire qui risque donc de cacher le fait qu'il a un enfant et qui va se dire que non, le mieux pour moi, c'est peut-être de cacher le secret, de ne pas lui dire que j'ai un enfant, de ne pas lui dire que machin, peut-être après, au fil du temps, je pourrais m'ouvrir à elle, je pourrais lui dire que je l'aime. Mais que voilà, j'ai eu un enfant avec une autre personne here, ok? Pour une autre partie, donc vous avez ici affaire à une personne qui est toxique here, ok? C'est une personne peut-être qui boit beaucoup. On a quelqu'un ici qui boit beaucoup ou bien qui adore boire. Une personne aussi du genre... On a quelqu'un ici qui aime beaucoup aller en boîte de nuit, dans les endroits où il y a du bruit et tout. Excusez-moi de le dire, vous avez aussi une personne ici peut-être qui aime aller regarder les stripteaseuses. Je ne sais pas c'est qui ici qui aime aller regarder les stripteaseuses. Ou bien les filles qui dansent avec les chaînes, les trucs. This is weird. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui a déjà fait la prison. Here. Peut-être que la personne a été arrêtée. Ça ne veut pas dire que la personne a fait la prison pendant plusieurs jours. Peut-être que la personne a été arrêtée. Peut-être pendant deux jours, trois jours, une semaine, moi je ne sais pas, huit jours here ou onze jours. Donc vous avez ici affaire aussi à quelqu'un qui peut faire, you know, boire, fumer, faire la drogue, les conneries comme ça here, d'accord? Mais c'est une personne qui vous aime énormément. Pour une autre partie, donc vous avez aussi affaire à une personne qui adore. Être intime avec vous. Vous avez ici affaire à une personne qui adore you know, passer des moments intimes avec vous. Quelqu'un même qui n'arrête pas de penser à vous, qui vous a toujours dans ses pensées here et qui aimerait donc revenir et recommencer une situation, you know, à bracadabrante avec vous encore. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer here. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Et c'est tout ce que je vois ici pour vous, d'accord? On a un peu de Sagittaire ici, Azouel et Bélier. Donc, c'est tout ce que je vois ici pour vous. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour voir un peu ce qui va se passer et tout avec cette personne. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas si vous voulez la suite de cette lecture. Bisous et bye bye. Abonnez-vous à mon channel.